nous pouvons faire un certain nombre de propositions qui nous poussent à guider à tous mes camarades. Nous pouvons avoir l'occasion d'être et aussi à mes camarades de la presse. Nous pouvons donner un peu plus en détail comment nous pouvons aider. Donc pour aller plus vite, nous avons une proposition de l'autre manière pour tackle, pour handle l'issue de scandale et de corruption. Quelle manière, nous pensons par exemple que le directeur LICA, souvent il y a un problème, le gouvernement nommé, le gouvernement béni sans aide, qui fait pas sa commission qui nomme Manziz, et pas le magistrat, judiciaire de la commission, nomme directeur LICA. Nous pensons pareil pour déclaration de assets pour les parlementaires, tout parlementaire, et si nous avons envie, comment dire, assainir à ce niveau-là, redonner confiance à la classe politique, pour la classe politique, mais passer de la loi, là, déclaration de assets, révolue, pour qu'il y ait plus de transparence. Nous pensons aussi que si un député fait une mauvaise déclaration, une fausse déclaration, et nous sommes capables. Il est capable d'avoir une sanction ou la prison, pourquoi pas. Réforme de l'audiovisuel, ça aussi, c'est une histoire qui est traînée. Mais il y a un grand temps pour libéraliser les zones au niveau de la télévision. Il y a une chaîne satellitaire plein temps, mais au niveau local, même nous, il y a une chaîne privée. Mais ça, c'est une petite chose et une deuxième petite chose. Au niveau de la télévision, nous pensons qu'il a MBC. Comment chaque fois nous dire les, tout le temps dire les, mais bizarre passe à l'action et donne la télévision nationale rôle qui est bizarre et les jouer de manière indépendante et juste. Au niveau de l'éducation, chaque gouvernement qui vient avec son plan. Il casse ce qu'il a besoin de faire et il amène un nouveau plan. Nous pensons nous qu'il n'est pas capable de continuer de jouer avec l'avenir de nos enfants. Nos enfants méritent mieux que ça. Et si nous avons envie de poser le développement de nos 20 ans, nos 30 ans, nous pensons qu'il y a un plan national de l'éducation dans lequel tous les stakeholders, dans le gouvernement, dans l'opposition, enseignants, pas enseignants, vis-à-vis un plan national dans lequel nous sommes d'accord et ensuite nous travaillons le plan pour améliorer la qualité de l'éducation, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou au niveau tertiaire. Mon camarade, combat au niveau de la pauvreté et dégradation sociale. La pauvreté, les tous, dans tout quoi, Maurice Zodi, quantité de monde pauvre, ils ont augmenté. Et vous pensez, nous avons un grand travail à faire, déjà un plan Marshall, mais l'argent va être déboursé et possibilité existe aujourd'hui pour faire avancer. Nous dépensons par millions, depuis 20 ans, beaucoup de millions finalement. Mais pour vous dire là, pas une baisse, continue à augmenter. La drogue, pareil. Aujourd'hui, on peut faire face à une autre situation, c'est la drogue synthétique. La drogue synthétique est de la case disponible partout. Elle est disponible partout, comme le docteur expédié, problème de bébé dans le ministère de la Santé. Mais ça, c'est une petite chose qui est bizarre, handle depuis dans l'école. Bizarre suivre Manzen, qui est souvent vulnérable, qui manie la drogue synthétique peut venir une sorte d'épidémie. Et il fait tous de plus en plus Manzen. Au niveau de l'économie également, il y a un certain nombre de plans qui manière bizarre relance l'économie, qui manière bizarre retravaille avec ma mesure pour ease business. Parce qu'il faut que l'économie fonctionne bien pour nous créer de travail, et sur créer de travail, là nous absorbe le problème de chômage. Donc passe le là. Pareil pour le tourisme. Dans le secteur du tourisme, mon camarade, nous avons 1 million de touristes venus, énormément de touristes restent dans l'hôtel. Je ne pas sorti, pas trop vieux. L'argent là reste avant même, reste dans l'hôtel même. C'est un système de all inclusive qui est pratiqué depuis un petit bout de temps. Je me rappelle qui tient la guerre entre un ministre et président de TPA à cause de cette histoire-là. Qui un petit peu dire all inclusive, un petit peu dire non. Aujourd'hui, on est inclusive encore la même. Ce phénomène de all inclusive là fait que les touristes qui viennent, manger de bois, dormir, tout reste dans l'hôtel même. Et en plus, là, ben, du monde qui l'adore dans ce secteur-là, connaît qui, quand les touristes l'ont payé, il y a beaucoup d'argent resté au même, même pas connaît quand c'est casse qui rentre dans le pays. Nous nous disons qu'il faut revoir ce système-là, bizarre régulé, bizarre contrôlé, pour améliorer et permettre tout le monde de bénéficier, parce que c'est le secteur, c'est un bon secteur qui a une croissance régulière et continue dans Maurice.
Pareil pour PME, ben petite et moyenne entreprise. Et là, 45, et là 40%, plus que 40% de l'argent qui nous gagne, il sortit des bilans de ma petite et moyenne entreprise. Et plus que 50% emploi, travail sorti dans ma PME. Et tout bon petit entrepreneur, je plains d'une petite chose, c'est moi pour l'argent, qui m'a dit pour gagner. Parce qu'il y a un tas de monde ici qui a envie de faire business, mais pas moi pour gagner. Et l'État il a une responsabilité. Et nous me proposons un certain nombre de mesures qui m'ont dit capable d'accélérer sa l'aide à ma PME. Ma nouveau pôle de développement. Et là, il y a beaucoup de l'étude à faire. Et bien continue à faire. Maurice, je ne pas l'IVES. Loi nous a quand même 30 ans, 40 ans qui pour arriver. Et un nouveau pôle de développement, et là ce que nous pouvons proposer, c'est créer une zone France virtuelle pour une entreprise qui est la pointe, qui dans la technologie de pointe, et qui peut intervenir différemment, qui peut créer une petite chose, donc un plan de jeu dans Maurice, nous encourageons pour une parvenir à installer ici. Pareil pour l'écologie, aujourd'hui, nous sommes capables de tout ce qui nous fait. Aujourd'hui, elle appelle ça plastique qui disparaît. Mais tout quelque chose qui nous fait, nous sommes capables de réfléchir en termes d'écologie, parce que l'écologie est trop importante. Nous avons le climat même changé, nous avons l'environnement qui est changé. Et il y a autant qui nous responsabilise tout le monde et nous allons vers ce qu'on appelle écologically correct. Nous sommes capables, depuis dans la cuisine jusqu'à dans une grande industrie, pense tout ce qui est écologiquement correct. Un dernier point, mes camarades. Je vous laisse l'idée cause de la femme tout à l'heure. Un dossier important pour nous. La jeunesse, nous pensons que la jeunesse, c'est le futur. Aujourd'hui, Van Zen exprime ce avec beaucoup de facilité, librement. Je suis capable et je suis capable d'avoir une influence, mais je n'ai pas d'attente et mon aspiration. Je suis capable d'être un agent de changement, je suis une force de changement. Et nous appuyons, nous, là, et nous nous causons à chaque fois. Et beaucoup de partis politiques derrière les élèves, nous pensons qu'ils sont zen, ils ont encouragé eux, ils ont soutenu eux, ils ont donné une éducation qui est bien, ils ont donné une formation qui est bien, ils ont donné un petit peu causé, ils ont donné accès à l'emploi. Vis-à-vis démocratise et améliore une facilité de sport et de loisirs sains. Mais en même temps, nous pensons que vis-à-vis augmente le nombre de bourses qui octroient à des enfants, à des jeunes qui sont défavorisés. L'éducation est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose qui permet à des jeunes de sortir de leur difficulté. Mes camarades, c'est un long projet. Dans le ticket de l'État, nous présentons ce qui est capable de faire ici. Nous avons l'occasion certainement de s'acciser, de venir plus tard, de causer, de développer. Aussi, nous avons l'occasion de lire la gazette.